chaque joueur du 5 majeur a plus de 10 points et a 15 d'évaluation minimum. Face à Rouen, les cadres du PB86 en orange montrent la voie, celle du succès. Après 3 défaites consécutives, les joueurs de Rudinelhomme reprennent leur marche en avant, au grand soulagement de leur entraîneur. On voulait gagner ce soir, on a gagné. Quelle que soit la manière, il fallait gagner parce qu'aujourd'hui, c'est sûr qu'on n'est pas et on ne fait pas la saison qu'on souhaitait faire. Et aujourd'hui, le but, c'est de gagner le maximum de matchs pour pouvoir se mettre à l'abri le plus tôt possible et pouvoir faire plaisir aux supporters et à tout le monde. Les supporters apprécient certainement de vivre une soirée pour une fois sans véritable inquiétude. Poitiers mène le match de bout en bout et compte jusqu'à 17 longueurs d'avance. Si sous l'impulsion de Stevens, meilleur marqueur avec 29 unités, Rouen reste dans la rencontre, c'est à 6 points minimum des poids de vin. La défense du PB86 contrarie les plans des Normands. Et comme Goods et Guillard sont à droit au moment clé, Poitiers s'impose sans trembler, 91 à 81. Franchement, on a fait un match vraiment intéressant ce soir. On a mis de l'intensité, on n'a pas lâché. Voilà. C'est un match sur lequel on peut s'appuyer. On avait besoin de cette victoire. Voilà, ça fait du bien au moral. Et on va pouvoir aller à Charleville avec plus de confiance. Un match mardi primordial dans la course au maintien. En cas de succès face au premier relégable, le PB86 13e de Pro B compterait 4 victoires d'avance sur son adversaire du soir. On ne fait pas le tour.